Bonsoir Chris, comment se passe votre vernissage? Bonsoir, ça se passe très bien. Et vous? Ça se passe très bien, je profite de ces photos. Ben nickel. Donc est-ce que tu peux nous parler de tes photos? Parler de mes photos, à quel niveau? Votre travail, comment vous prenez ces photos? Les photos sont réalisées, sont toujours réalisées en prise de vue directe, soit en extérieur, donc en décor naturel, soit on construit des décors de toutes pièces, pour mettre en scène les personnages. Ça varie en fonction des projets, en fait. Quel est le but de cette exposition? De faire connaître au grand public mon univers, déjà, dans un premier temps. C'est pour ça que l'exposition s'appelle « Le monde d'un geek ». Et dans un deuxième temps, de partager au plus grand nombre la culture geek et l'univers dans lequel moi je baigne depuis que je suis gamin. Tu aimes cet univers geek? Oui, complètement. Oui. Et ça me passionne depuis maintenant, ça fait mal à dire, mais depuis une vingtaine d'années. Et qu'est-ce qui t'influence dans cet univers? Tout, que ce soit les comics, les mangas, les jeux vidéo, le cinéma, la littérature, enfin c'est très vaste, c'est très très vaste. C'est énormément d'imaginaires, de mondes, de super-héros, d'aventures qu'on peut vivre au travers de cet univers. Tu exposes combien de photos ici? Alors aujourd'hui il y a 16 photos exposées, en sachant que la collection complète à ce jour compte une trentaine de photos. Alors comment tu as fait le choix de ces photos plutôt qu'une autre? Le choix a été fait en partenariat avec le Crédit Agricole, donc nous on leur a présenté le catalogue en entier. Et eux, derrière, ont fait une sélection des photos qu'ils auraient aimé voir exposées au sein de l'espace W31, en fait, qui est un espace dans la banque qui est destiné à promouvoir la culture, donc à mettre en avant différents éléments, des expositions, des musiciens, des peintres. Il y a plein d'événements différents qui sont réalisés ici. Oui, c'est un lieu un petit peu insolite, en fait. Tout à fait. Si tu devais choisir une photo, laquelle ce serait? C'est pas facile. Maintenant, moi, il y a une photo qui me touche énormément, c'est Rédemption. Déjà de par son histoire pour l'affaire, hein, parce qu'on a quand même, il y a presque une demi-heure, 40 minutes d'escalade avec tout le matériel, le modèle pour aller faire cette photo. On est en décor naturel, donc il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a rien. Ça a été fait au bon moment, à la bonne heure, au bon endroit pour pouvoir avoir le coucher de soleil et tous les éléments. Et ça a été une belle aventure. Et après, moi, c'est une photo qui me plaît énormément et qui me parle beaucoup. Donc... Je suis vraiment très très content de cette photo. Ouais, vraiment. Malgré ce qu'on pourrait croire, il n'y a que très peu de retouches. Quasiment pas, oui. Sur celle-là, comme je le dis souvent, il n'y a même pas moins de 3 minutes, 2 minutes même pas de retouches sur Photoshop. Ouais. De toute façon, le but, ce n'est pas de sur-photoshopper les photos. Le but, c'est de travailler au maximum à la prise de vue, les techniques photo. Et dans un deuxième temps, de juste faire les réglages, les mêmes qu'on faisait en argentique en fait. Donc de faire les derniers réglages sur la photo. Et les photos resteront exposées ici pendant un mois, c'est ça? C'est ça, elles sont exposées ici jusqu'au 19 mai. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet? Tu as Twitter, tu as Facebook? Alors oui, soit vous pouvez me retrouver sur Facebook ou sur Twitter. Donc Twitter c'est SpaceBlue66, Facebook c'est ChrisSpaceBlueArtist. Et après on a ouvert le site internet il n'y a pas longtemps, il y a une quinzaine de jours, trois semaines. L'adresse c'est www.chris-spaceblue.fr. On pourra retrouver toutes ces photos, même les autres. On retrouve l'intégralité du catalogue, on retrouve les infos, on retrouve un blog, on retrouve la presse, on retrouve tout ce qui tourne autour de mon univers et de ma carrière en général, quoi. Plus un blog où on va essayer de mettre pas mal de backstage et d'explications autour des effets, pour les effets spéciaux, autour des montages de décors, et un peu de off concernant les prises de vue. Donc il y aura quelqu'un qui m'aidera et qui prendra les photos pendant que je fais les photos. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir, que faites-vous ici ce soir? Eh bien, je suis venue voir l'exposition de Chris Spaceblue, voilà, voir ses tableaux. Qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui vous plaît dans ces photos? L'univers fantastique, l'originalité. Il arrive à mettre, à donner vie en fait à des personnages imaginaires ou de l'enfance. Et enfin, il le fait d'une façon qui me plaît beaucoup. Voilà. Et si vous deviez choisir une photo, laquelle ce serait? Non, aucune. Elles ont... Toutes plutôt. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, j'en choisis aucune, je les prends toutes. Elles ont toutes quelque chose. Et elles sont toutes très très chouettes. Les voir en vrai, en plus là, exposées aujourd'hui, ça fait quelque chose de plus
que de les voir sur écran. C'est la première fois que vous les voyez en vrai ? Oui, ouais. Malheureusement pour moi, mais ouais. Ou heureusement ? Heureusement pour ce soir. Merci beaucoup. Mais merci à vous.